Guillaume. Guillaume, tu es rentré dans la boîte il y a 4 ans, 4 ans et demi. Grâce à ton père, mais pas que. Tu as toujours été un garçon adorable. Un peu... Mais bon, tu m'as jamais déçu. Tu m'as jamais impressionné, mais tu m'as jamais déçu. Tu es dans la moyenne, on va dire. Tu as un souci avec la performance. Tu as un souci avec l'efficacité. Après, on traverse tous des moments parfois un peu... Moi, je vais être franc avec toi, j'ai fait un break en avril 93. C'était sérieux, j'y arrivais plus. J'étais là et j'étais pas là. Je me suis posé un mois et je suis revenu avec une niaque qui m'a plus jamais quitté. Je pense pas avoir de soucis avec la notion d'efficacité. C'est juste que... Parfois, il faut savoir prendre le temps. Bien sûr. Prendre le temps. Et c'est ce que je te propose. Je pense à la boîte, c'est sûr. C'est compliqué quand on a un qui... C'est compliqué. Mais je pense aussi à toi. Et je trouve que tu as absolument raison. Il faut savoir prendre le temps. Bah, prends le temps. Je te présente Tom, qui va te remplacer. Tu ne t'inquiètes pas, il est très efficace. Il apprend vite. On lui a communiqué les renseignements nécessaires. Pas besoin de le briefer. Il sait. D'accord? On fait comme ça. Christian. Ah tiens, oui, attends, pardon. Parce que c'est très maladroit, mais bon... joyeux anniversaire. C'est une connerie, hein, j'ai pas eu le temps. Tu passes le bonjour à ton père et oublie pas, vincit, quisse, vincit, vaincra. Qui se vaincra? Et bon courage. Je t'accompagne. Merci, c'est gentil. On va où? Route de Nantes. Je vais passer le week-end chez mes parents. C'est au 42 rue des... Oui. Je sais. 12 000 km. Quasi neuve. Quelqu'un qui devait vendre rapidement. Alors, quel est le programme? Je sais pas, là. Faut que je réfléchisse un peu. Non, mais pour ce soir. Ah, pour ce soir. Dîner en famille, pour mon anniversaire. Ouais, je sais. Ah bah oui, évidemment. Alors voilà, c'est le dîner avec papa et maman. Et ma femme. Et y a quoi de prévu au dîner? Je sais pas. Huître, pot au feu. Ça fait réfléchir, hein? Moi, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas, c'est peut-être une chance. Comment ça? Non, mais j'en sais rien. Pour l'instant, c'est surtout rien. Moi, je crois pas à la chance au sens où la plupart des gens l'entendent. C'est-à-dire? Pour beaucoup de gens, avoir de la chance, c'est dû au hasard. Ou au mieux, c'est une belle opportunité qu'on a éventuellement provoquée et qu'il faut savoir saisir. Mais ça reste un truc extérieur à soi. Et moi, je crois que je suis la chance. J'attends pas la bonne opportunité, je suis la bonne opportunité. Je suis la chance des gens que je rencontre. Donc tu serais ma chance. Peut-être. Pourquoi pas?
Guillaume, c'est pas vrai, tu veux que... Je te présente Tom. D'accord. Hélène? Oui. Tom. Entrez, entrez. Coucou. Ah bah quand même. Tu commences à m'inquiéter, tu voulais plus venir ou quoi? Bisous. Bon anniversaire. Merci. Bonjour. Bonsoir madame. Liliane. Bonsoir Liliane. Tom. Tom. Qui va remplacer Guillaume? Oui bon ah. Voilà. Et papa, il est où, lui? Dans la remise. On va le chercher. C'est pour vous, Liliane. Ah, oh, c'est trop, trop gentil. Avancez. Avance, je te tutoie. Hein. Avec plaisir. Je vais me changer, j'arrive. Oui. C'est une magnifique ferme maraîchine que vous avez là. Attaché. Je comprends. Je comprends. On est très belle de moi. Moi, avec plaisir. Vous aussi. Faisons ça. Ça va? J'ai été viré. Christian te passe le bonjour. Papa, il m'a viré. Et je suis remplacé par un type qui est là. Il m'a raccompagné en voiture, il est là. Je devrais lui casser la gueule, non? Moi, j'ai même pas la force, c'est ridicule. Je suis ridicule. C'est un cadeau de Christian. Cadeau de départ et d'anniversaire. Grand. Quoi, tu veux que je l'ouvre? Je m'en veux pas. De? J'ai rien à te reprocher, vraiment. C'est ça qui est dur, en fait. Mais c'est dur pour toi aussi, j'imagine. Attends, quoi? Je suis la première surprise, en fait, tu comprends? C'est vraiment surprenant. J'arrive! Tu comprends? Écoute, bon, je sais pas. Quoi, je fais
mes caca. Mon caca, il va où après? Dans la mer, hein? Oui, je crois. Nous, on n'a plus de champagne. Ah, moi, j'aurais aimé vivre dans les îles. Non, mais aujourd'hui, il faut payer cher pour vivre loin des hommes. Hein. Puis on se fait toujours attraper par la société qu'on aimerait fuir. Avant, on passait le canal de Suez. Ça, j'aurais aimé. Être sur le pont d'un bateau. Ça, ça m'aurait plu. Sur le pont d'un bateau, en route vers les Indes, la Chine, partir pour de bon. Mais avec ton père, on a fait la France, et oui. Bien sûr, c'est beau. Ceci dit, aujourd'hui, on va jamais très loin. C'est vrai. Vous alliez en Espagne aussi. Ah, si, si. Me gusta mucho la paella. Y la sangria. Y la playa. Tu te souviens, Guillaume? Pas bien. Non, mais avec Guillaume, c'est bien simple. Il se souvient de rien. Jusqu'à t'es quoi, t'es 14 ans? C'est bizarre quand même, tu te souviens de moi que dans les mauvais moments. Moi méchante. Oui, légitime la méchante. Merci Jean. Guillaume, tu l'ouvres, hein? Mais qu'est-ce que tu sais de mes souvenirs? Oh là là, on peut jamais rien dire. Ceci dit, scientifiquement, notre cerveau est comme une bande velcro pour les expériences négatives. Le cerveau réagit intensément aux mauvaises nouvelles, mais pas aux bonnes. Du coup, nos mauvais souvenirs sont plus intenses en nous que les bons. Mais ta gueule, toi. Mais heureusement, on peut toujours intervenir là-dessus. Consciemment, en prenant le temps de nous attarder sur les moments positifs de notre vie, même les plus petits. Mais c'est un travail sur soi. Mais c'est vrai, ça. Moi, je me souviens très bien que tu me faisais très mal au sein quand tu me tétais. C'est vrai, je t'en voulais de faire grossir mes seins pour te nourrir. Puis après, ils allaient dégonfler et puis tomber. Non, non, je n'aimais pas ça. Mais heureusement, tout passe. Mmh. On oublie tout. Bon, il ouvre son cadeau. C'est mon anniversaire. Le jour que je préfère. Et je soufflerai bientôt les bougies de mon gâteau. On éteindra la lumière. Et j'aurai mon cadeau. Non. C'est de la part de nous tous. Oh. Elle te plaît? Elle est superbe. Oh, elle te va hyper bien. Et elle est à l'heure. Merci. 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 Liliane, vous pouvez me dire où sont les toilettes? Oui, tu peux prendre celle du bas derrière la cuisine. Tu fais attention à la chasse d'eau. Écoute, va-t'en.
toi. Reste pas là, hein.